weeks have passed and French farmers continue to protest against EU regulations and block a key motorway in France. Sigrid Castañeda reports. French farmers continued protesting against EU regulations and blocked a portion of the A7 on the Lyon-Marseille axis in the village of Saint-Rambert-d'Elbon recently. On a de la relève qui arrive pour les jours qui suivent et voilà quoi. Et je sais qu'au niveau national, ça bouge un petit peu de partout. Donc voilà ce qui a été décidé pour l'instant de continuer l'action. The previous day, angry farmers took advantage of the blockage of the A7 to set up a market there and showcase their products. Donc pour la réunion qu'on a eue tous ensemble, donc les forces vives depuis le départ, on continue l'action sur le site pour une durée pour l'instant indéterminée. Pourquoi continuer? Parce qu'on n'est encore pas sûr de toutes les... Enfin, tout ce qu'on a demandé, on n'a pas forcément trop de retour encore. Donc le préfet nous a promis des choses, mais c'est pareil, il faut tout que ça se remette en action au niveau administratif et tout. Alors ils nous ont dit que ça allait être un petit peu long. Donc on fait voir qu'on est toujours là et qu'il va falloir que ça réagisse vite. For the past 3 weeks, several mass farmers' protests were held across France, as well as several EU countries, such as Germany, Poland and Romania. They argued they are no longer able to make a living from their work and are fed up with European environmental standards, which they say is a burden to their work year after year. Reporting, this has been Sigrid Castañeda, SMNI News.